Merci à Jean de nous avoir amenés par son exposé au milieu du 19e siècle, puisque Liouville, c'est 1844, et que nous allons justement nous situer dans cet environnement du 19e siècle pour essayer de vous montrer comment la probabilité est au fondement de la statistique morale de Quetelet, dont Didier Vivier vous a parlé tout à l'heure. Alors, nous allons nous intéresser à, effectivement, à la puissance d'un nombre comme étant, dans sa conception actuelle, le développement du numérique comme support du développement des technosciences. Actuellement, pour accompagner la connaissance et la mise en œuvre de ces développements, on utilise de manière assez naturelle l'alliance entre sciences fondamentales et sciences des données, ou plus directement entre analyse mathématique et traitement statistique et informatique de données individuelles de plus en plus nombreuses. Eh bien, notre objectif, c'est d'essayer de nous pencher sur les origines de cette approche qui articule au XIXe siècle une véritable confrontation entre les données statistiques et les lois scientifiques. Et vous allez voir que Quetelet, Adolphe Quetelet, qui a vécu, je vous rappelle, de 1796 à 1874, a véritablement été à la base de cette confrontation entre ces deux approches. Et nous allons le faire en nous basant sur un ouvrage que Michel et moi avons écrit, qui paraîtra l'année prochaine, ou consacré à une réédition des textes de Quetelet, réédition critique, sur Quetelet probabiliste. Il faut savoir que, si je parle de probabilité ici, Quetelet, en réalité, n'est pas du tout quelqu'un qui a vécu dans un environnement probabiliste au départ de sa vie. La probabilité, pour lui, n'était pas normale dans son parcours. Et pour comprendre comment cette notion de probabilité est intervenue, je crois qu'il est important d'essayer de préciser un petit peu dans quel contexte il a vécu et comment il est arrivé à ses travaux. Alors, l'exposé que nous allons faire sera très structuré, comme vous le voyez ici. Vous verrez qu'au départ, Quetelet a grandi dans un environnement sans nombre. Le nombre, pour lui, était quelque chose de tout à fait étranger. Et cela pendant plus de 20 ans de son existence. Et que c'est en 1823 qu'il va se passer quelque chose d'important qui va l'amener à parler de probabilité, notamment dans ses enseignements, en publiant en 1828 des instructions populaires sur le calcul des probabilités dont je vous parlerai tout à l'heure. Et c'est cette période, cette année 1823, qui va aussi l'amener à parler, à présenter ses premiers travaux statistiques. Cette période consiste en réalité, ou plutôt correspond en réalité, à une période qui politiquement est très particulière pour la Belgique, puisque nous sommes passés d'un régime français à un régime hollandais, et que 1830 est tout proche. 1830 est donc une frontière où non seulement politiquement nous allons avoir la Belgique indépendante, mais où Quetelet va se trouver dans une situation où il va complètement changer son point de vue et il va rentrer dans ce que nous voulons montrer, que la probabilité est bien fondamentale pour essayer de donner du corps à la statistique. Il sera important de montrer la dualité de la statistique à cette époque, voir qu'il y a deux manières importantes de faire de la statistique, et cela va le conduire à deux ouvrages dont Michel vous parlera de manière détaillée. 1835, un ouvrage sur l'homme et le développement de ses facultés, ou physique sociale, et en 1846, des lettres sur la théorie des probabilités, je ne dis pas tout le titre, il est trop long, qui va être un élément tout à fait essentiel. Et vous verrez, je l'espère, en conclusion, qu'il y a deux apports essentiels qui vont intervenir dans cette histoire. La réunification de la statistique par rapport à la dualité que j'ai évoquée un instant. Et puis alors, nous terminerons par parler de quantification et de positivisme, un élément tout à fait essentiel dans cette œuvre de Quetelet. Alors, l'environnement initial sans nombre, quelques mots très rapides sur la jeunesse de Quetelet.
Il est né, vous le voyez, en 1796. Lambert Adolphe Jacques Etlet, il était appelé Lambert, on a vite oublié ce premier prénom, est né à Gand. Gand est une ville très importante dans l'histoire des contrées belges. C'est une ville qui va jouer un rôle tout à fait essentiel et qui va avoir la possibilité justement de se développer et de montrer, de donner, de fournir à Quetelet un environnement qui est un environnement de base tout à fait sérieux. 1796, vous voyez la période, la Belgique est devenue française en 1795. Alors 96, ce n'est pas une grande année, c'est l'année où Napoléon est rentré en Italie, la guerre d'Italie. Pour Ted Porter, c'est l'année où le Tennessee est devenu le 11e État de l'Union, vous voyez. Catherine de Russie est morte cette année-là, mais en dehors de ça, il y a Quetelet qui est né, mais il ne savait pas encore que c'était une année tout à fait célèbre. Alors Quetelet a eu une chance formidable, c'est de rentrer dans le système éducatif au moment où ce système éducatif allait quitter le niveau zéro pour arriver à un niveau supérieur grâce justement à la réforme de l'enseignement en France. Donc il est Gand est français depuis un an. Il rentre dans l'enseignement privé pour l'éducation primaire et il rentre dans le lycée qui vient d'être créé à Gand comme partout ailleurs en France, le lycée de Gand qui va lui permettre de faire une éducation essentiellement littéraire qui est très importante dans le parcours et dans la façon dont Quetelet doit être examiné. Il sort en 1813 du lycée dans des conditions familiales qui ne sont pas très florissantes. Il doit travailler et il cherche un travail quelque part. Qu'est-ce qui va lui fournir son travail? C'est la défaite de Napoléon, de manière indirecte, bien entendu. En effet, Napoléon, devant renoncer, tout simplement, tous les Français, ou une grande partie des Français qui sont à Gand, retournent simplement en France. Et donc, à son ancien lycée, il y a des places vacantes. Et lui qui a besoin de travailler, il voit qu'il y a une place vacante de mathématiques. Il n'est pas mathématicien, il a fait des études relativement peu importantes dans ce domaine-là, mais il prend ce qui lui est offert, il devient professeur de mathématiques au lycée. C'est donc un changement de régime qui va lui permettre de rentrer enfin dans les mathématiques. Et le deuxième élément tout à fait essentiel, c'est une chance énorme aussi, c'est que dans la carte que vous avez là, vous avez le nord qui est le royaume des Pays-Bas, le côté hollandais, qui est relativement bien fourni en termes d'infrastructures, et le bas qui est la Belgique, les contrées belges, qui au contraire, elle, ne possède ni université. L'académie qui avait été créée sous Marie-Thérèse d'Autriche a disparu, les Français les ont supprimés, et on a donc ce renouveau, en quelque sorte, de l'université au niveau de la Belgique, avec la création de trois universités, à Gand, à Liège et à Louvain, et la renaissance de l'académie, également en 1816. Grâce à un personnage qui se trouve là sur l'écran tout en bas, un ministre Falck, et ça va être pour Quetelet véritablement l'ouverture, non seulement vers les mathématiques, mais aussi vers un certain nombre d'aspects qui vont être essentiels dans sa vie. Il fait une thèse doctorat avec Jean-Guillaume Garrier, que vous avez là tout en bas, qui est un professeur de mathématiques qui vient de Paris et qui lui apporte en quelque sorte la teinture de l'école polytechnique. Il présente sa thèse et au miracle, il permet d'avoir une étude des mathématiques dans une contrée qui avait perdu toute qualité mathématique depuis très longtemps. Ce n'était pas énorme dans les décades qui précèdent, mais c'était quand même important de montrer qu'il y avait un renouveau à ce niveau-là. Et le deuxième renouveau est donné par un autre mathématicien, qui est le commandant de Nieuport, qui se trouve juste à côté de Falck, qui est un mathématicien, le seul mathématicien de l'époque qui valait la peine d'être considéré, et qui est porté à la tête de l'Académie, il était déjà dans la première Académie, par le roi de Guillaume Ier, et qui va accueillir notre jeune mathématicien, notre jeune thésar, à Bruxelles, de manière à lui permettre de devenir lui-même académicien. Vous avez donc ce mouvement rapide
d'un profil qui est un profil littéraire vers un profil de mathématicien qui est poussé par tout son environnement, qui a soif de mathématiques, qui a soif d'une nouvelle façon de refaire de la science dans les contrées belges. Alors ce jeune homme va être porté véritablement, c'est le mathématicien de l'époque, il va être porté vers des projets dont il ne pensait pas pouvoir s'impliquer avant. Notamment, il a envie de participer à un rééquilibrage entre la Hollande et les contrées belges dans le domaine scientifique. Et il va proposer, en n'étant absolument pas spécialiste de la question, au ministre Falk, qui est le ministre de l'Éducation et qui était devenu en quelque sorte son ami, entre guillemets, il va lui proposer de créer un observatoire à Bruxelles, parce que Bruxelles n'a pas du tout d'observatoire. Bruxelles est devenue la deuxième capitale du Royaume des Pays-Bas au moment où les contrées belges ont été impliquées dans le Royaume-Uni des Pays-Bas. Et comme il ne connaît pas grand-chose en astronomie, eh bien, on l'envoie à Paris se former auprès des astronomes. Paris est un des deux centres essentiels de l'astronomie à l'époque. Il va donc en 1823 à l'Observatoire de Paris, et là, il rencontre en 3 mois une flopée d'intellectuels et de scientifiques considérables. Il y a bien entendu les astronomes, Bouvard, Arago, que vous avez là, et Laplace, le fameux Laplace, qui est à 3 ans de son décès, mais qui a une stature et une aura qui est tout à fait essentielle. Et grâce à cette introduction dans ce milieu, il y a les petits dîners, les petits soupers de Bouvard, il va trouver dans Laplace les éléments qui lui permettent de rentrer dans les probabilités. Laplace vient d'écrire, il y a 3 ou 4 ans, une deuxième édition de son ouvrage de base sur les probabilités. Il rencontre un autre polytechnicien qui est Lacroix, qui lui est quelqu'un qui... Lacroix, c'est un Laplace qui est compréhensible, c'est-à-dire quelqu'un qui est effectivement capable de présenter le calcul des probabilités de manière lisible et de manière pédagogique. Et il va, à côté de ses travaux, de sa formation d'astronome, auquel il va s'atteler de manière tout à fait importante, il va découvrir le calcul des probabilités, il va revenir à Bruxelles en 1824 avec la volonté d'utiliser les probabilités dans ses enseignements, parce qu'il est convaincu que c'est un élément tout à fait essentiel. Et en 23, dernier élément qui intervient à ce niveau-là, en 23, il rencontre aussi Fourier. Joseph Fourier, qui vient d'écrire sa théorie de la chaleur, mais qui surtout a écrit des travaux de recherche statistique sur la ville de Paris, et qui va le convaincre que la statistique, telle que lui la conçoit, peut être un élément tout à fait essentiel pour essayer d'améliorer le sort de cette Belgique qui est en train de se... De retrouver une certaine qualité intellectuelle, même s'il est encore dominé par la Hollande à cette époque-là. Il revient donc en 1824, il va être nommé astronome à l'Observatoire de Bruxelles, et heureusement sans observatoire, parce que l'observatoire ne va être construit que quelques années plus tard, en 1832. Il va rentrer dans son observatoire en 1832, nous sommes en 1824. Donc pendant 8 ans, il va lutter pour essayer de faire construire son observatoire. Il sera nommé astronome, il sera nommé directeur d'une institution qui n'existe pas réellement. Quetelet n'est pas homme à rester inactif. Il va donc travailler dans le domaine des probabilités pour ses enseignements et dans le domaine de la statistique. Il va d'abord donner des cours, non plus simplement des cours comme professeur de mathématiques dans l'enseignement secondaire, mais aussi en essayant de participer à ce mouvement qui est un mouvement essentiel où les gens ont soif de science. Et il va donner cours au musée de Bruxelles, qui se trouve être dans l'ancien palais de Charles de Lorraine. Et à partir de ces cours qu'il destine à un public averti de toute nature, il va construire ce fameux bouquin qui est à la base, les instructions populaires sur le calcul des probabilités, dont vous voyez la couverture qui est représentée là, avec un élément qui est tout à fait dans le concept de notre colloque, « Mundum numeri regunt ». Les nombres sont devenus pour lui un élément tout à fait essentiel et veut le traduire à travers cet ouvrage. Alors, dans la préface des instructions,
Il dit lui-même, ce petit ouvrage que je livre au public est le résumé de leçons que je donne depuis plusieurs années au musée de Bruxelles. Pour servir d'introduction à mes cours de physique et d'astronomie, il est revenu comme astronome et il veut utiliser la physique, mais il veut que la base soit une base probabiliste. Et il m'a paru, dit-il, que le calcul des probabilités, malheureusement trop négligé, devrait, d'après l'état actuel des Lumières, servir de base à l'étude de toutes les sciences et particulièrement des sciences d'observation. Le contenu des instructions, vous l'avez là sous la main, je ne vais pas vous le dicter, est vraiment divisé en trois parties. Vous avez une première partie qui sont les 12 premières leçons, où là vous avez un enseignement tout à fait classique de probabilité qu'il a repris sur base des personnes qu'il avait rencontrées à Paris. Vous avez l'influence de Fourier avec les chapitres 13 et 14 de la manière de prendre des résultats moyens sur la mesure de degré d'approximation d'un résultat moyen ou règle des moindres carrés. La moyenne et les moindres carrés viennent compléter son élément. Et puis vous avez les quatre derniers chapitres qui sont véritablement les domaines d'application qui ont été pour lui à la base même de l'application de l'usage des probabilités. Et dans sa conclusion, il dit bien que le calcul des probabilités qui a pris naissance depuis moins de deux siècles et qui avait essayé de ses forces naissantes en montrant la vraie théorie qui doit régler les jeux de toute espèce, et il dit bien dans quel contexte ça se passait, faire tout à coup une excursion dans le domaine des sciences naturelles pour indiquer des lois de naissance et de la mortalité, ça c'est quelque chose qu'il a appris au niveau de Paris, non plus par rapport à Fourier, mais par rapport à un autre personnage important que Fourier lui a présenté, qui est le docteur Villermé, qui a développé toute la statistique dans un domaine médical, dans celui des sciences historiques, pour apprécier la valeur des faits et des traditions, dans le sanctuaire de Thémis, pour régler la composition des tribunaux, ou pour donner la mesure de la bonté des jugements. On l'a vu depuis sous différents noms, s'emparer la tribune et régler les élections, ou énumérer les richesses et les besoins des peuples par des nombres auxquels nulle éloquence humaine ne pourrait résister. Et c'est dans cette période entre 1824 et 1830 qu'il va faire ses premiers travaux statistiques, influencés par Fourier et influencés par Villermé, qu'il va publier parce qu'il a une politique de publication très importante, et qu'il va construire deux publications qui vont être à la base même de ces démarches d'un point de vue statistique. Nous sommes ici dans un contexte où nous approchons de la fin de cette période belge sous le régime hollandais. Quetelet a accumulé un certain nombre d'éléments et juste après la Révolution, il va avoir enfin son observatoire, mais aussi un certain nombre de charges nouvelles dans la Belgique nouvelle. Et c'est là qu'il va pouvoir développer son véritable génie dans notamment le domaine de la statistique avec le calcul des probabilités. Mais pour cela, il faut essayer de voir comment il y est arrivé. Et ça, je vais passer la parole à Michel pour continuer l'opération. Donc, je vais parler un petit peu de deux ouvrages importants de Quetelet. Et je vous dis tout de suite quelle est la thèse principale de mon exposé. Comme ça, je ne risque pas de la rater à la fin dans la conclusion. À savoir que ce n'est pas si évident que ça, l'utilisation de la quantification par Quetelet. Ce n'est pas directement une quantification, d'ailleurs. Il y a quelque chose qu'il cherche. Il cherche toute sa vie comment il pourrait justifier sa quantification. Et il va trouver deux justifications, et on va raconter ça. Justification par les probabilités, justification par la réorganisation du métier de statisticien. Et là c'est ça la thèse principale, c'est de dire qu'il n'y a pas de quantification aisée avec l'usage des chiffres ou des nombres, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Mais il faut en passer par une base qui est le calcul des probabilités. Donc c'est ça qui explique pourquoi ça va jouer un rôle, ce calcul des probabilités. Autrement, on voit que ce serait une sorte de danseuse pour Quetelet, c'est-à-dire de choses à laquelle il s'intéresse, sans aller plus loin. Alors il faut se souvenir que, je raccroche avec la dualité de la statistique, avant lui, la statistique, c'est deux choses assez différentes, c'est-à-dire l'une d'origine allemande, qui est sur qu'on appelle la statistique administrative allemande, qui est consacrée à la description d'un État-nation. Cet État-nation se dote d'une quantité de chiffres phénoménale. Hacking a parlé d'une avalanche de nombres dans les années 1830 en France et en Belgique aussi. L'arithmétique politique anglaise est une autre tradition dans laquelle on travaille aussi avec des nombres. Donc ça pourrait dire que l'arithmétique politique se fait avec des nombres,
ça semble ne pas changer grand-chose que là, avec la statistique. En fait, ça change beaucoup de choses, parce que ces nombres admettent la conjecture, c'est-à-dire, pour faire de l'arithmétique politique, on fait des conjectures, c'est-à-dire des prévisions, des projections, des recherches de lois, des inductions, etc. Toutes opérations qui sont formellement interdites par les mathématiciens français de l'Académie des sciences, tant quand on fait de la statistique. Faire de la statistique, c'est essentiellement produire des grands tableaux de chiffres. Alors, j'ai noté ici que sur l'arithmétique politique anglaise, les exemples, c'est la table de mortalité, le travail sur les assurances à partir de là, la statistique morale, c'est-à-dire la criminalité pour Quetelet, et la théorie des erreurs dont on va reparler. La dualité dont je parle, donc, de la statistique, c'est le fait que on a deux approches possibles. Une approche par la modélisation, c'est-à-dire la mathématisation, qui nécessite le calcul des probas, et une autre approche par la statistique en tant que dénombrement, que description, hein, et dans lesquelles il n'y a pas de mathématiques à proprement parler, ou très peu. Alors, comment ces deux choses-là s'articulent ? En fait, je vais dire une phrase de Laplace qu'on trouve dans sa théorie et qui est tout à fait intéressante. Il faut rendre assez précise pour être définitivement convaincante l'adéquation entre les observations astronomiques en progrès constant et le résultat des déductions possibles dans la théorie newtonienne. Quand vous lisez une histoire de l'astronomie, vous trouvez toujours ces deux volets. Améliorer les données, améliorer les modèles. Alors, le problème, c'est que les données... Quand vous regardez derrière une lunette quelque chose et que votre adjoint fait la même chose, il ne trouve pas la même chose, il ne trouve pas le même nombre, il ne trouve pas les mêmes mesures. C'est-à-dire que la science purement empirique est grevée par la question suivante. Deux observations sont toujours divergentes, même si c'est des observations du même phénomène. Donc comment régler ce problème avec ce qu'on a appelé la théorie des erreurs, sur laquelle on reviendra un petit peu plus loin ? Alors il faut donc à la fois améliorer la précision des mesures, donc c'est le problème des erreurs, et améliorer la précision des modèles, c'est le problème de la théorie des deux corps, des trois corps, etc. Comment se ramener à la théorie des deux corps quand on a trois corps. Alors je vais maintenant passer à la description des deux ouvrages fondamentaux de Quetelet sur la probabilité, et je vais vous montrer pourquoi elle joue un rôle important. Le premier, c'est sur l'homme. Sur l'homme attendez une seconde, voilà, c'est ça, c'est derrière là. Sur l'homme est un livre qu'il publie à la fin de 1834, et qui est publié une deuxième édition en 1835. Donc on parle toujours de 1835 parce que c'est la deuxième édition refaite. Et donc sur l'homme, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est un livre de recherche sur l'homme, de recherche statistique si vous voulez, mais ça rassemble d'ailleurs les mémoires précédentes, dont les deux, trois mémoires dont a parlé Jean-Jacques juste tout à l'heure. La première phrase du livre dit quel est l'objectif. L'homme naît, se développe et meurt d'après des lois qui n'ont jamais été étudiées dans leur ensemble, ni dans leur mode de réaction mutuelle. L'objectif de cet ouvrage est d'étudier dans leurs effets les causes, soit naturelles, soit perturbatrices, qui agissent sur le développement de l'homme. Donc vous voyez que le principe, c'est une recherche scientifique sur les causes, soit naturelles, soit perturbatrices, qui agissent sur le développement de l'homme. Donc il faut décrire le développement de l'homme. C'est l'homme en tant que quoi ? C'est selon les trois grands livres qui sont dans l'ouvrage. Le livre 1 s'intéresse à la naissance, la fécondité, la mortalité. C'est donc un livre sur la démographie. Ce terme ne sera pas utilisé avant 1855. Donc on parle plutôt de théorie des populations. Le livre 2 s'intéresse à l'anthropométrie. Là, le terme sera utilisé par Quetelet. L'anthropométrie, c'est donc la taille, le poids, la force, etc. des êtres humains. Et le livre 3, c'est sur la sociologie ou la statistique morale, comme il dira aussi, ou encore la physique sociale, comme il le dira en sous-titre de cet ouvrage. C'est le sous-titre de l'ouvrage. Et c'est sur le suicide, le penchant au crime et diverses choses qui ont trait à la statistique morale. Alors, le quatrième livre de ce même ouvrage, je vous détaille pas chacun des livres, évidemment, est une première théorie de l'homme moyen. On sait que tout le monde sait que Quetelet a inventé un concept bizarroïde qui s'appelle l'homme moyen, mais ce concept n'est pas si bizarroïde que ça. On va y revenir dans le détail. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homme moyen ?
trois citations pour le dire rapidement. « Nous devons avant tout perdre de vue l'homme pris isolément et ne le considérer que comme une fraction de l'espèce. » Autrement dit, c'est un représentant de l'espèce. « En le dépouillant de son individualité, nous éliminerons tout ce qui n'est qu'accidentel. » Et les particularités individuelles qui n'ont que peu ou point d'action sur la masse s'effaceront d'elles-mêmes et permettront de saisir des résultats généraux. Plus le nombre des individus que l'on observe est grand, plus les particularités individuelles, soit physiques, soit morales, s'effacent et laissent prédominer la série des faits généraux en vertu duquel la société existe et se conserve. Une dernière citation sur l'homme moyen. L'homme que je considère ici est dans la société l'analogue du centre de gravité dans les corps. Il est la moyenne autour de laquelle oscillent les éléments sociaux. Ce sera, si l'on veut, un être fictif pour qui toutes les choses se passent conformément aux résultats moyens obtenus pour la société. Si on cherche à l'établir, en quelque sorte, les bases d'une physique sociale, c'est lui qu'on doit considérer, sans s'arrêter aux cas particuliers ni aux anomalies. Alors vous voyez que la terminologie même à travers laquelle il construit l'homme moyen est une terminologie des sciences exactes. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de termes là dans ce que j'ai lu qui parlent de centres de gravité et de choses de ce type-là qui viennent de la physique et de l'astronomie. Donc il y a une sorte d'analogie, on appellera ça un transport analogique, des sciences de la nature aux sciences de l'homme que Quetelet n'a pas peur de faire. Non seulement il n'a pas peur, mais il le revendique. Et ce transport analogique, il le décrit parfaitement bien dans une lettre à Van der Weyer, en 1834, au moment même où il livre son ouvrage au public. Je relis de nouveau quelques éléments de cette lettre. « Je me fais peut-être illusion, mais j'ai lieu de croire que le travail fera plaisir. La partie la plus curieuse du travail sera, je crois, la théorie de la population, ce qu'on a appelé plus tard démographie. Je suis parvenu à la transporter entièrement dans le domaine des sciences exactes. » Vous voyez qu'il dit l'inverse de moi, il dit qu'il transporte des sciences morale aux sciences exactes, et moi je dis qu'il transporte dans l'inverse. Mais ça peut se comprendre. Au moyen de deux théorèmes dont l'un m'appartient. On verra ce que c'est que ces deux théorèmes dont l'un m'appartient, et on verra en particulier celui qui lui appartient, tout à l'heure, à propos de la lettre 20. On pourra résoudre les grands problèmes des mouvements de population comme ceux des mouvements des corps célestes. Voyez l'analogie. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est l'étonnante analogie qui existe entre les formules qui servent à ces calculs. Je crois avoir réalisé en partie ce que j'ai dit depuis longtemps sur la possibilité de faire une mécanique sociale comme l'on a une mécanique céleste. Vous voyez que son terme n'est pas encore physique sociale, bien que ce soit dans le sous-titre de l'ouvrage précédent, mais ici il parle explicitement d'une mécanique, donc avec des points, mécanique ponctuelle, etc. Des vitesses, des accélérations et tout ce que vous voulez. De formuler les mouvements du corps social comme on a formulé les mouvements des corps célestes et d'en reconnaître toutes les propriétés et lois conservatrices. Alors, je vais passer le reste de mon temps, je ne sais pas ce qu'il m'en reste, mais un bon morceau, j'espère, sur les lettres sur le calcul des probabilités. Les lettres sur le calcul des probabilités ont d'abord un prétexte. Vous voyez deux hommes ici qui sont les princes Ernest et Albert. Or, ces lettres sont quand on les écrit, si on écrit des lettres, c'est pour écrire à quelqu'un. Et donc, Quetelet écrit son cours de probabilité sous forme de lettres à ces deux princes. Ernest, qui va épouser plus tard, que je ne me trompe pas, oui, c'est bien, c'est non, Albert qui va épouser plus tard la reine Victoria, chaque fois je me trompe, et Ernest, qui est placé à la tête de la Saxe-Cobourg, qui est donc une province allemande. Alors, il va donc transformer. En fait, on lui a commandé, et c'est Léopold qui lui a demandé ça, de former ces deux princes à l'art de gouverner, en quelque sorte. Et l'ayant demandé à ça, il a désigné Quetelet comme étant l'un des trois instructeurs de ces deux princes. Donc on va avoir un livre qui va être en forme de lettres, de correspondances, sans que ça soit exactement le principe, c'est-à-dire il n'a pas rassemblé toutes les correspondances. Il a commencé un cours en présentiel, puis il l'a transformé en cours par correspondance, et c'est bien effectivement la plateforme qu'il a utilisée, on ne la connaît pas très bien, c'est le courrier, tout simplement. Voilà. Alors, je vais directement décrire maintenant cet ouvrage qui s'appelle donc les lettres sur le calcul des probabilités à son Altesse Royale, etc., etc.
La préface, d'une part. Mais la préface, elle est tout à fait intéressante parce que, premièrement, elle dit « des circonstances particulières qui m'ont laissé de bien doux souvenirs me mirent il y a bientôt 10 ans dans la nécessité de porter toute mon attention sur l'application de la théorie des probabilités à l'étude des sciences morales et politiques ». Alors ça, c'est les circonstances particulières, c'est donc l'enseignement des deux princes, la formation des deux princes. Je sentis alors combien il était à désirer qu'on pût rendre cette théorie plus élémentaire et la faire descendre des hautes régions de l'analyse pour les mettre à la portée des personnes qui sont le plus souvent dans l'obligation de s'en servir. Deux idées fortes dans cette phrase. La place est illisible, la première idée. Il faut lire entre les lignes. La deuxième place, donc moi, je vais le rendre lisible. Et donc la troisième idée, c'est parce que je veux que les gens s'en servent du calcul des probabilités. Voilà, il le dit expressément. Et les gens, en particulier ceux, les politiques qui dirigent les pays. Non content d'avoir exposé les principes de la théorie, j'ai tâché de les démontrer par l'algèbre élémentaire. Donc il ne rejette plus, comme c'était le cas dans les instructions en 1828, il ne rejette plus tout usage des mathématiques. Il va y avoir un usage des mathématiques dans ce livre sur les probabilités. Mais il est réparti subtilement entre une partie qui est dans le texte et une partie qui est dans les notes de l'auteur. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Ensuite, à mesure que mon travail prenait plus de développement, j'ai mieux compris la théorie, la nécessité de le séparer en deux parties. L'une, relative à l'application de la théorie des probabilités aux sciences morales et politiques, c'est celle qu'on est en train de discuter, et l'autre ayant pour objet l'étude des lois qui concernent le développement de l'homme, etc. Il s'agit ça d'un nouvel ouvrage dont je parlerai très peu, mais qui était prévu comme étant un tome 2, si vous voulez, du livre sur les probabilités. Ce tome 2, c'est « Du système social » qui sera publié en 1848. Voilà. Bon. Ensuite, alors, je continue sur la préface. J'ai donné une attention particulière à la statistique. Alors, chose importante, il n'a pas parlé de statistique dans le premier ouvrage, ou très peu. Par contre, là, ça va être un point important, ça va être la quatrième partie des lettres. Les lettres, il faut savoir qu'il y en a quand même 45, c'est quelque chose comme ça, ou 46, je ne me souviens jamais. Et la quatrième partie va être consacrée entièrement à la statistique. Bon, alors il est très prudent, il dit « Je me suis simplement borné à signaler plusieurs erreurs dans lesquelles les auteurs tombent fréquemment, c'est-à-dire la statistique à mauvaise presse, voire les petites phrases assassines qu'on a vues tout à l'heure sur l'écran, dans le premier exposé. » Enfin, une note de Quetelet que je signale, c'est les remerciements. Les remerciements s'adressent à trois personnages, Gruyère ou Gruyer, on dit plutôt Gruyer, je suppose, parce que Gruyère, ça fait bizarre, auteur de plusieurs ouvrages philosophiques, mais aussi, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'y retrouver Mailly et Liacre, qui sont ces deux assistants dans ses travaux, et en particulier à l'Observatoire royal. Liacre en particulier, l'auteur d'un célèbre calcul des probabilités et théorie des erreurs qui va être publié en 1852, c'est-à-dire à peu près 5-6 ans après les lettres dont je suis en train de parler. Alors, prenons les différentes parties, donc dans l'ordre. Il y aura une diapo sur chacune, donc c'est un peu tassé, je suis désolé. Sur la colonne de gauche, vous avez la première partie, donc c'est sur la probabilité. Donc c'est un exposé du calcul des probabilités élémentaires. Et cet exposé reprend en gros ce qu'il a dit dans la version de 1828 dont a parlé Jean-Jacques tout à l'heure, les instructions. Alors c'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose, évidemment. Et donc l'historien est amené à repérer ce qui diffère. Ce qui diffère, c'est principalement qu'on va droit au but sur l'usage des probabilités dans les sciences et non pas sur tous ces petits débats qui ont été importants au XVIIIe siècle sur la nature philosophique des probabilités, sur les doutes de D'Alembert, sur les exemples d'application à la théorie des assemblées, à la théorie des jugements, etc. Toutes ces petites choses-là disparaissent ou sont amoindries dans cette version, parce que ce qui l'intéresse, ça va être l'usage des probabilités dans les sciences, et pas tellement pour rendre compte. Alors évidemment, il va garder l'histoire des urnes comme support pour ses démonstrations pédagogiques, les urnes avec des boules blanches et des boules noires. Et le deuxième exemple qu'il va garder, c'est celui de la loterie nationale, française ou belge, selon les cas. Mais ça va rester des exemples. Il ne va pas y avoir de chapitre exclusif. Alors, sur la partie mathématique, donc la partie philosophique, c'est très simple, il s'aligne sur la place. Hein, les trois, quatre lignes que j'ai mis au début, à droite.
sont le mot hasard sert officiellement à voiler notre ignorance. Bon, voilà, ça c'est du Laplace tout craché. Nous l'emploierons pour expliquer les effets dont nous ne connaissons point les causes. Pour qui saurait trop tout prévoir, il n'y aurait point de hasard. Ça c'est l'approche philosophique laplacienne complètement. La deuxième chose, c'est la différence significative avec les instructions, je viens d'en parler. La troisième chose, c'est l'usage le rôle central. Il y a quand même trois leçons là-dessus. Je dis chapitre, mais c'est des leçons, n'oublions pas, et c'est des lettres aussi. Trois lettres ou trois leçons sur les règles de succession de Condorcet, c'est-à-dire un phénomène s'est produit tant de fois sur petit n fois sur petit m, comme Michel, fois sur n fois. Comment peut-on estimer la probabilité qu'il se reproduise, oui, une fois ou deux fois ou trois fois? Alors ça, c'est les règles de succession de Condorcet qui sont basées sur la probabilité des causes de Laplace, c'est-à-dire comment on évalue la probabilité des causes à partir des effets. Et puis ensuite, on trouve le théorème de Bernoulli, puis ensuite, on trouve j'en parle pas du théorème de Bernoulli, c'est un premier, simplement pour dire qu'il n'est pas démontré par Quetelet. Quetelet n'est pas un probabiliste qui démontre le calcul des probabilités, mais c'est celui qui s'en sert. Et ça ne s'use pas quand on s'en sert, contrairement à la pile Vondert. Alors, il préfère énoncer pour la partie suivante, on le verra, les règles de Fourier, qu'il appelle le principe très simple et très utile dans la pratique, à savoir que la précision des résultats croît comme la racine carrée du nombre des observations. Pas de démonstration chez lui, mais c'est ce qu'il retient des deux communications de Fourier et des deux publications dans la statistique de la ville de Paris. Voilà, alors les exemples, on n'en parle plus. Maintenant, parlons de la deuxième partie, je vais être plus long. La deuxième partie est le cœur même de la théorie de l'usage des probabilités par Quetelet. Alors, ça tourne autour de les moyennes. Les moyennes, ça semble assez simple, on nous en a parlé tout à l'heure, c'est tout simplement une fonction définie sur une suite de nombres entiers en général, ou décimaux, c'est possible, on l'a vu. Alors, des moyennes, première chose assez amusante, aux moyennes, il faut toujours associer des extrêmes, c'est-à-dire le minimum, le maximum, quelque chose de ce genre-là. Sinon, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, il y a deux sortes de moyennes. Alors ça va être important. Les moyennes... Attendez, j'y suis, oui. Oui, voilà. Quetelet commence par distinguer une moyenne proprement dite de n mesures, c'est ce que j'ai écrit à droite, et d'un même objet, et la moyenne arithmétique de n individus différents d'un même groupe. Je répète parce que c'est fondamental, c'est la différence qu'il fait entre la moyenne statistique et la moyenne typique. Je répète ma phrase. Quetelet commence par distinguer une moyenne proprement dite de n mesures d'un même objet et la moyenne arithmétique de n individus différents d'un même groupe. L'opération de mise en équivalence permet alors de transposer aux sciences sociales les résultats de la théorie des erreurs et déboucher sur le concept opératoire d'homme moyen. On va voir ça dans le détail. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous résumer la lettre 20 qui organise parfaitement cette correspondance. Mais vous avez bien compris, il commence par différencier deux moyennes et ensuite, quelques lettres plus loin, dans les lettres 11, il dit « c'est pas pareil ces deux moyennes » et dans la lettre 20, il dit « je vais faire comme si c'était pareil ». Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est la démarche analogique de Quetelet. Et la démarche qui consiste à chercher un guet entre deux choses quand elles sont différentes. Alors, pour illustrer cette chose-là, toujours afin d'être concret, on arrive vers la dernière partie de mon exposé. Je vais détailler un peu, je le fais à chaque fois, je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu sur ce sujet, mais je trouve ça absolument exemplaire. Je n'ai pas le temps de vous lire la lettre 20, mais je voulais la résumer. Alors, la lettre 20, c'est un modèle de preuve rhétorique de l'assimilation sous condition de normalité d'une moyenne à un type. Voilà comment on pourrait la résumer. Cinq étapes, je les définis rapidement. J'en ai encore pour 5 minutes plus. 8-9, merci. La mesure de la circonférence de la poitrine sur la statue du gladiateur par 1000 personnes différentes obéit rigoureusement à la théorie des moyennes et des erreurs. Ces mesures diffèrent du fait d'erreurs accidentelles et se répartissent sur une courbe de possibilités symétriques et décroissantes de chaque côté de la moyenne, dont la variabilité est mesurée par un écart probable que l'on peut évaluer à 1 mm. Donc vous voyez que dans ces quatre lignes, il y a quoi ? Il y a un résumé de toute la théorie des erreurs. Quand on mesure avec des erreurs, on voit que les mesures se répartissent sur une loi qui
qu'il appelle non pas la loi normale, ni même la loi de Laplace-Gauss, mais la courbe des possibilités. Et cette courbe des possibilités, on peut en trouver le centre, et le centre va être la meilleure estimation que l'on ait de la vraie valeur de la chose qu'on mesure. Et enfin, dernière chose importante, la dispersion de cette loi, elle peut être plus ou moins aplatie, ma courbe en cloche. Cette dispersion, dans le cas d'une théorie des erreurs de mesure sur un objet qui ne bouge pas, est assez faible. Ici, il propose à peu près 1 mm. Bon. Pourquoi est-ce qu'il mesure le même objet, etc. Pourquoi la statue du gladiateur? Parce qu'on est effectivement avec cet aspect mythique d'une statue qui est à la fois l'objet beau et l'objet qui a des proportions parfaites. Alors, deuxième élément de la démarche, si on remplace la statue par une personne vivante, par exemple, on mesure le tour de ma poitrine à moi. Je respire et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le seul acte de la respiration ajouterait une puissance cause d'erreur à laquelle la mesure, à celle de la mesure, excusez-moi, ajoute une puissante cause d'erreur à celle de la mesure. Mais les 1000 mesures se répartiraient encore selon la courbe de possibilité, dilatée dans le sens horizontal, donc dotée d'un écart probable bien supérieur au millimètre. D'accord? On a simplement changé la statue du gladiateur pour ma propre poitrine d'être vivant. Troisième étape, si maintenant on emploie un millier de statuaires pour copier le gladiateur avec soin et que l'on mesure de la même façon la poitrine de ces copies, les inexactitudes des copistes que l'on supposera sans parti pris, donc accidentelles, viendront se joindre aux erreurs de mesure et grossir l'écart probable et l'étalement de la courbe des possibilités. Donc troisième étape, vous voyez, c'est non seulement ça bouge parce que c'est vivant, mais on a mesuré cette fois-ci des copies, donc elles sont en grand nombre, 1000 copies. Donc, dernier élément de la démonstration, puis on en conclut sur cette lettre 20. Pour finir la statistique, on a mesuré les poitrines de 1000 soldats écossais, en réalité 5738, et on a effectivement constaté que les tailles se répartissaient autour d'une moyenne de 40 pouces, avec un écart probable de 1 pouce 312 ou 33 mm le long d'une courbe de possibilité. Ça, donc, c'est la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la statistique. C'est-à-dire, il y a vraiment un ensemble de 5738 soldats. On mesure leur poitrine, on en fait la moyenne, et voilà ce qu'on trouve. On trouve la même courbe de possibilité, et simplement assez dilatée, parce qu'on a à la fois un effet de respiration, si vous voulez, de vivant, et à la fois un effet de démultiplication. Nous, ces deux choses ne sont pas pareilles, normalement. Comment distinguer le dernier cas du premier ? Certes, ils diffèrent par leur production, moyenne proprement dite objective de 1000 mesures d'un même objet, versus moyenne arithmétique subjective de 1000 individus vivants et différents. Mais ils relèvent de la même courbe du hasard et les choses se passent comme si les poitrines... Alors le comme-si est fondamental, c'est-à-dire Ketley est quelqu'un qui fonctionne avec des comme-si. Vous voyez, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la base de la modélisation. Comme si les poitrines qui ont été mesurées avaient été modelées sur un même type, un même individu, idéal si l'on veut. Voilà qui met en évidence une loi de conservation du type que Ketley avait déjà énoncée en 1935. Mais, écrit-il, « si je ne me fais illusion, ce que l'expérience et le raisonnement m'avaient fait reconnaître prend ici le caractère d'une vérité mathématique ». Voilà son théorème. C'est une vérité mathématique. Ce transport analogique qui a été fait est une vérité mathématique. Oui. Alors, en annexe, il donne la taille des Écossais. Bon, ça ne vous intéresse pas beaucoup. On peut résumer cette lettre 20 par deux schémas. Le premier schéma, qui est ici, devant vous, est un schéma qui est très utile aux économètres, c'est-à-dire un schéma dans lequel on voit que les quatre situations dont il nous parle sont des situations dans lesquelles on a un modèle linéaire avec une erreur aléatoire. Et dans le premier cas, c'est une erreur de mesure. Dans le deuxième cas, c'est une erreur due à la variabilité du vivant. Dans le troisième cas, c'est une erreur due à la reproduction, puisqu'on mesure plusieurs fois des choses différentes. Et enfin, si on prend les trois ensemble d'erreurs, si on les additionne, c'est-à-dire si on prend du vivant en grand nombre, on obtiendra une variabilité sociale totale qui est la somme de mes trois erreurs. Vous voyez ? Donc ça, c'est tout à fait intéressant de voir que Ketley fait une sorte d'économétrie avec des erreurs qui seraient indicées par I, par J et par IJ, pour écrire ça mathématiquement. Le deuxième schéma nous montre une sorte de coup d'État, de coup de force, de coup de génie et de coup de force en même temps, comme je le dirai dans la diapo suivante, qui résume les lettres. C'est-à-dire, ce que vous avez à gauche, c'est la situation en astronomie, ce que vous avez à droite, c'est la situation en physique sociale, d'après Ketley.
En astronomie, on a un objet bien précis, c'est l'étoile polaire. On mesure ce qu'on appelle sa hauteur, par exemple, et on mesure plusieurs fois la hauteur du même objet dans une position où il n'est pas censé bouger. Et on fait la moyenne de ces mesures pour avoir moins d'erreurs, tout simplement parce que la moyenne permet d'avoir un résultat qui est moins sensible à l'erreur sur chaque observation. Ça, on le sait depuis la théorie des erreurs. Très bien. Eh bien, faisons la même chose en physique sociale. Oui, mais quand on mesure n individus, c'est pas pareil que quand on mesure un individu n fois. Les n individus sont différents. Donc on mesure pas un objet, on mesure n objets qui, en plus, sont vivants. Donc il y a une analogie, mais elle n'est pas complète, évidemment, comme toujours. Il y a quelque chose qui va être transporté dans l'analogie. Ce quelque chose, c'est la courbe. C'est la même courbe, et c'est ça qui nous permet de dire que c'est analogue. Cette même courbe, elle nous donne un milieu qui est la vraie valeur. Mais la vraie valeur de quoi, puisqu'il n'y a plus de référent? On a perdu le référent dans le cas des sciences sociales. Donc c'est la vraie valeur d'un être fictif. Et cet être fictif, c'est quoi? C'est l'homme moyen. Donc Quetelet met l'homme moyen à la place manquante de la référence pour cette moyenne. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est à la fois un coup de génie et un coup de force. Bon, ben, je l'ai montré, donc je crois que ce n'est pas la peine de... Voilà. Simplement, on va reprendre le résumé. C'est la courbe en cloche et la condition qui rend ici licite l'assimilation transgressive des deux situations. Les deux situations, c'est mesure d'un même individu, d'un même objet, ou mesure de plusieurs objets différents. Dans le deuxième cas, c'est les statistiques. Dans le premier cas, c'est les observations d'un même objet. Edgeworth va utiliser ces deux mots pour les différencier, par exemple. Bien, alors, donc, la perte du référent est remplacée par l'homme moyen. Voilà, l'homme moyen devient une idéalité, quelque chose qui n'a pas de réalité, donc une sorte d'idéalité, mais qui nous permet de faire des sciences sociales. C'est ça qui est intéressant chez Quetelet. Il n'y a pas d'homme moyen concret, évidemment. Alors, je vais à toute vitesse sur les troisième et quatrième parties des trucs pour aller à la conclusion. Donc, à toute vitesse, ça veut dire que la troisième partie est consacrée à l'étude des causes. Et tout simplement, Quetelet va poursuivre le travail de Laplace. On peut tirer du théorème de Bernoulli cette conséquence qui doit être considérée comme la loi générale, que les rapports des effets de la nature sont à peu près constants quand ces effets sont considérés en grand nombre. On va trouver la même théorie chez Quetelet. Donc l'étude des causes, c'est tout simplement que dans une étude statistique, il faut s'appuyer sur une recherche des causes. Et s'appuyer sur cette recherche des causes, ça veut dire qu'on doit distinguer les causes accidentelles, les causes constantes, pardon, les causes variables, les causes accidentelles et les causes variables périodiques. Il y a donc trois sortes de causes, et dans les causes variables peuvent être, pour certaines d'entre elles, périodiques, et Quetelet va beaucoup insister là-dessus. Alors, la décomposition de ces causes, c'est ce qu'on doit faire quand on fait des études scientifiques et statistiques, et cette décomposition... Elle est aidée par la prise de moyenne qui élimine les causes accidentelles. Voilà, donc je passe sur Bravais, tant pis. La quatrième partie, c'est de la statistique. Alors qu'est-ce que dit Quetelet de la statistique? En gros, ce que j'écris à droite, si vous voulez lire les parties à gauche, vous pouvez aussi. C'est d'abord un discours convenu sur la statistique comme enfance de l'art des disciplines scientifiques. Bon, voilà. Sur les cinq objets de base de la statistique administrative, population, territoire, état politique, économique et moral. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la double nature de cette discipline. Il y a vraiment une révolution de la statistique par Quetelet qui ne dit plus que la statistique est réservée à la statistique des états. Donc la statistique administrative qui mesure ce qui est remarquable dans chaque état-nation. Lui, il dit « on peut faire de la conjecture ». Or, je vous rappelle que ce que j'ai dit ou pas dit, je ne me souviens plus... À l'Académie des sciences de Paris, on ne voulait pas que les gens fassent autre chose en statistique que d'écrire. La conjecture était à réserver aux mathématiciens. Il part de la nécessité aussi des risques idéologiques autour des statistiques. Ça, c'est simple. On les a toujours aujourd'hui. On ne les élimine pas facilement. Et enfin, il a la nécessité d'harmonisation qui va régler par deux institutions. L'institution de la... la Commission centrale de statistique de 1841, qui va présider, et donc qui est derrière lui. Et quelque chose qui est devant lui, c'est l'institution des congrès, de la suite des congrès, qui commence en 1953.
Alors je conclue maintenant rapidement par deux diapos. La première, là, vous voyez, elle est simple. C'est tout simplement dire Quetelet dans le temps qu'on vient d'avoir tous les deux. Il a vieilli de la première photo à la deuxième photo. Et donc, il faut rendre compte de ça aussi. Alors, ma conclusion porte en deux termes. Premier terme, réunification de la statistique. Avec Quetelet, la statistique devient une méthode scientifique, ce qu'elle n'est pas du tout avant lui. Une méthode scientifique générale, à la fois descriptive et conjecturale, ce qu'elle n'était pas, grâce aux deux réformes de son administration et de ses bases probabilistes. Alors il y a deux réformes que fait Quetelet. Donc pour arriver à ce que la statistique change, il faut premièrement la réorganiser à l'échelle internationale pour qu'elle soit comparable, les statistiques, et à l'échelle nationale pour qu'elle soit comparable, cette fois-ci entre régions et entre institutions. Et deuxièmement, il faut utiliser le calcul des probabilités, comme on l'a vu dans la lettre 20. Le chemin parcouru depuis Lacroix et Fourier est considérable et assure la puissance des nombres dans de nombreuses disciplines. Donc le sujet d'aujourd'hui est directement une conséquence de ce qu'a fait Quetelet. Nombreuses critiques, cependant, à la fin du 19e siècle, sur ce que je vous ai raconté. Ce que je vous ai raconté n'est pas l'alpha et l'oméga de la théorie, c'en est un moment. C'est un moment de la théorie des moyennes, un moment de la théorie des erreurs et un moment de la statistique mathématique. Mais la critique va faire grand bruit, en particulier en Allemagne, en particulier en Angleterre, où l'idée, où il y aura en gros quatre idées qui vont être avancées, je les donne. Rien n'atteste de la généralité de la loi des erreurs. Ça, voir tout à l'heure ce que j'avais passé un petit peu, on n'a pas le temps d'y revenir. L'assimilation des variations interhumaines à des erreurs est abusive. Deuxième proposition. Troisième proposition, l'urne qui sert de modèle intermédiaire n'est pas fixe. J'ai écrit pas souple, ça veut rien dire, pas fixe. Quatrième idée, l'homme moyen n'est ni un modèle de beauté ni possible. Et cinquième idée que j'ai oubliée parce qu'elle est dans les textes de 48, le libre arbitre de l'homme pose bien des problèmes de débat et donc doit être rediscuté fortement dans la suite. Ma dernière diapo, ça va aller. Quantification et positivisme. Alors, est-ce que Quetelet est un est-ce que c'est du positivisme ce qu'il nous raconte ? La quantification d'abord est une activité dont on a accusé la science positiviste de beaucoup. La question que j'aurais aimé agiter, mais on n'a pas le temps, c'est qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la quantification. En particulier à partir des textes de Desrosières de 2008 qui dit que la quantification, c'est d'une part la convention, avoir des conventions, et d'autre part des mesures. Dans les sciences sociales, il y a ces deux étapes. Mais le problème, c'est que les conventions ne précèdent pas toujours les mesures. La mesure, quelquefois, précède la convention. D'autres fois, il y a mesure sans convention. D'autres fois, il y a des mesures qui font convention, etc. C'est un peu compliqué. Et je suis un peu en désaccord avec Olivier Martin, par exemple, qui dit que il n'y a pas d'influence des sciences dans cette histoire-là. Alors moi, des sciences dures, dans l'usage de la quantification, dans les sciences molles, entre guillemets. Ce qui reste de l'œuvre de Quetelet, c'est donc, on résume, trois points. La réunification de la statistique, recadrée par la double opération de fondement social, par une organisation institutionnelle des statisticiens, administrateurs et savants, les congrès, et le fondement épistémologique par le calcul du probabilité. Le renouveau du positivisme de son siècle, c'est-à-dire le positivisme d'Auguste Comte et le sien, sont pas. Alors, est-ce que lui, il est positiviste ? Puisque Comte est positiviste, on a souvent dit que lui, il ne l'était pas, puisqu'ils se sont opposés. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est deux formes différentes de positivisme, je pense. En particulier, Quetelet est positiviste. Pourquoi ? Parce qu'il a foi dans le progrès. Il est curieux comme tout polymathe. Il s'intéresse à tous les savoirs et à son goût de la vérité. Fascination pour le nombre, pour les régularités ou les lois statistiques. Et son goût de la transposition analogique qui restreint cette vérité à des modélisations non réalistes à base de comme si. Vous voyez, donc tout ça, ça me paraît être des caractéristiques d'un positivisme de fin de siècle et pas de début de siècle. Définissant le positivisme par l'abandon de la recherche d'explications fondamentales et de vraies causes au profit de modèles empiriques et de régularité, Ted Porter, ici présent, écrivait « Quetelet appears to have been plus positiviste que Comte, and also too positiviste for Comte ». J'aime bien ces phrases à moitié anglaises et françaises, et je trouve qu'il a raison, il a tout à fait raison.
Quetelet est plus positiviste que Comte. La probabilité, en tout cas, elle a fait un bond géant avec lui, et pas parce qu'il a amélioré le calcul des probabilités, c'est pas du tout ça. On a souvent dit que la probabilité avait dû traverser un désert au cours du XIXe siècle, puisqu'entre Laplace et Kolmogorov, il n'y a rien. Vous voyez, c'était ça, les mathématiciens qui faisaient l'histoire de leur discipline. On dit ça pendant assez longtemps. En fait, j'ai essayé de montrer que la statistique se trouve enrôlée dans le progrès de toutes les sciences grâce aux travaux de Quetelet. Je vous remercie.